suis quand même le patron et j'ai le droit de faire ce que je veux dans mes bureaux. Oui, non, c'est pas très légal. Ah, tais-toi, on ne dit jamais ça dans le bureau d'un avocat. Ça me porte malheur. Pardon. Allez, ouvre Breskov et dépêche-toi, là. Allez. Il y a l'agence d'intérim qui m'envoie la nouvelle secrétaire pour 7 heures, il faut que ça brise. Béatrice est partie à cause de Pierre encore. À ton avis. Encore une. Eh ben, je vais quand même pas les enchaîner au bureau pour qu'elle reste, non? Elle a fait que 2 semaines. Ah oui, 2 semaines avec Pierre, c'est long. Allez, donne-moi ce dossier, allez, 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 allez. Qu'est-ce que tu fais, celui-là? Ah, t'es formidable comme garçon, hein. Bon, bah, faut pas rêver. Avec la fille que j'ai, je ne pouvais pas espérer avoir un genre de polytechnicien. Hein. T'as me ramassé des stylos au lieu de traiter le talent pour la bouteille, là. Allez, oh, non, 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 non. Que des stylos noirs! Mais il fait peur parfois ce type, hein. Oh, ça ne va pas durer très longtemps, crois-moi. Quand le juge va se rendre compte que la pièce que Pierre a ajoutée au procès n'a aucune valeur, alors là, il l'aura dans l'os, et je le vire! Ah! Ça y est, je l'ai! Lumière! Lumière, mais tais-vous, la lumière! Alors, je sais bien tout faire, hein. Eh ben ça, ça se voit, ça, hein. Regarde, mais regarde! T'as vu? 1,42 au lieu d'un 24. Ah, ils sont vraiment forts. Hein. La différence est tellement subtile qu'il sera persuadé d'être passé à côté. Hein. C'est pas bien ce qu'on fait quand même. On parle de toucher 400 000 euros. Moi, je vois pas où est le balai. 400 000, d'accord, mais de la partie adverse. Oh, arrête avec ta morale. J'en ai plus les moyens. Tu veux qu'on coule tous? L'argent de Bordeaux va servir à effacer toutes nos dettes. Et maintenant que tu es marié avec ma fille, moi, je veux de l'ambition. N'oublie pas que c'est toi qui devras prendre ce bureau, là. Hein. Ça l'a plus envie? Hein? Oh si si, elle est formidable! Mais non, mais ça n'a pas envie du bureau! Oh non. Mais où il l'a trouvé celui-là? Sur internet. Ça, c'est celui-là. Bernard! Bernard! Je suis ravie, mais je suis vraiment ravie de travailler pour vous.
Monsieur Maillard. Eh ben, courant l'air de vouloir passer avec la nouvelle, là, dis-moi. Je lui donne 2 heures. Ah non, je ne pourrai pas travailler avec elle, je vous le dis tout net. Eh ben, tu vas te forcer, parce que moi, je compte bien qu'elle reste. D'accord. Oh. D'accord. Oui, Bernard. Bon, t'as vu? Tu fais presque la une. Ah oui, dernière chance pour les frères Bourneau. Ils n'ont aucune chance. Avec la pièce que je vais apporter au tribunal, eh bien, leur défense sur le montage financier ne va pas résister longtemps. J'ai confiance en toi, Pierre. Et justement, je me disais que si vous m'avez chargé de l'affaire, c'est que vous me faites confiance. Hein, et je sais que le poste de directeur de cabinet de Londres va bientôt se libérer, et vous savez, ça a toujours oui, été oui, pour oui, moi. Oui, je sais. C'est une très bonne idée. Alors, je te rappelle que dans 3 heures, tu as ton procès, tu le gagnes, et on en discute après. Oui. Monsieur Maillard. Qu'est-ce qu'il y a encore? Madame Verdier vient de se présenter, monsieur Maillard. Et elle arrive dans votre bureau, monsieur Maillard. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas pu l'arrêter, monsieur Maillard. Alors ça, c'est une faute professionnelle, ça. 2 heures, je lui donne 2 heures. Bernard Conditi, directeur du cabinet. Je ne divorce plus. Mais comment ça, vous ne divorcez plus? Ben, ça fait 6 mois qu'on travaille sur le dossier, vous vouliez divorcer, vous allez divorcer. Mais il est mort. Ah oui, là effectivement. Ah, ouais. Toutes mes condoléances, chère madame. Bah, cochon. Non, c'est fragile. Pardon, vous disiez. Voilà, c'est un drame. J'en suis malade. Ça tourne en boucle dans ma tête. Non, le malheureux, hein. Le con, oui. Il n'a jamais pu faire les choses normalement. Ben, il n'a quand même pas fait exprès de mourir. Oh, si. Je suis sûre qu'il l'a fait exprès. Eh ben, ça va arranger vos procédures. Plus de mari, plus de divorce. Plus la peine de le quitter. Ce n'est pas aussi simple que vous le dites. Si je suis venue de toute urgence, c'est que j'ai trouvé ça. Écoutez, madame Verdier, j'ai une audience très très importante dans très très peu de temps et je dois être très très concentrée. Lisez. Allez, moi je vous laisse. Non, écoutez. Ordre et discipline. Je sous-signais Michel Verdier, lègue la maison de Cannes, 24 avenue de Lérins, les terrains de Fontainebleau, le château de Brézé ainsi que la totalité de ses dépendances à ma fille Myriam. Ah oui. Lègue l'immeuble situé au 46 de la rue Saint-Honoré et les 2000 mètres carrés de bureaux du 17 rue de la Paix, Paris 1er, à la Fondation de France. Oui, mais bon, le premier, c'est plus que c'était. Hein. Enfin, lègue à ma femme Brigitte, vous voyez, il ne vous a pas oublié, l'appartement de Neuilly, 102 rue Chauveau. Ah ben c'est bien ça. Il est beau votre appartement. Vous pourriez vivre, vous, dans 300 mètres carrés, là. Oh ben moi, oui. Mais non. Non, c'est vrai, ça fait petit quand même. Myriam, c'est votre fille? Non, c'est sa fille adoptive. À combien est estimé le patrimoine? 90 millions. Attendez, madame Verdier. Je suis persuadé que maître Maillard va nous trouver 5 minutes pour alléger votre peine. Après l'audience, bien sûr, sans problème. Pierre, c'est le devoir d'un avocat. Que faisait votre mari? Oh, il a hérité d'une entreprise familiale. Des accessoires de cuisine. Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse avec ce testament? Et vous êtes sûr qu'il est authentique? Ah oui, j'en suis sûre. C'est son écriture. Et j'ai trouvé dans son coffre. Non mais pour le moment, on ne peut pas faire grand-chose. Il a sûrement déposé une copie chez son notaire, et c'est lui qui s'occupera des formalités. Faut que j'aille trouver conseil ailleurs. Mais pas du tout. Madame Verdier a raison. C'est vrai que la perte de l'année prochaine est déjà tellement douloureuse qu'on va pas y ajouter quelques petites tracasseries financières, n'est-ce pas, Pierre? Mais si ce sont les dernières volontés. Merci, ça ira comme ça. Comment s'appelle le notaire de votre mari? Maître Courty. Ah, mais c'est Courty en plus, je le connais très bien. Ah. Madame Verdier, Maître Maillard a une audience très importante au palais à midi. Auriez-vous la possibilité de repasser en fin de journée, disons 19h? Oui, mais vous comprendrez que je n'ai pas beaucoup de temps pour me retourner. Hein. Je vous comprends parfaitement. Alors, ne vous en faites pas. Maître Maillard a déjà la solution.
Et si je puis me permettre, vous devriez opter pour une tenue, disons, plus classique. En noir. C'est toujours bon de montrer à son entourage qu'on a de la peine. Vous avez raison. Oh, je vais aller me détendre. Heureusement, mon mari m'a laissé une petite mallette avec quelques économies. Eh bien ça va vous permettre de patienter. Mais c'est vraiment pour le quotidien. Ce sont que de petites économies. Hein. Allez, permettez-moi de vous raccompagner. Oui. J'ai déjà la solution. Bon, mon stylo. Merde, t'es devenu fou ou quoi? Mais pourquoi? Eh bien, te demander de t'occuper de sa succession à 90 millions et avec les honoraires qui vont avec. Et toi, qu'est-ce que tu trouves de mieux à lui dire? C'est qu'il n'y a rien à faire. Et tu veux qu'on nous appuie cette affaire? Non, mais j'ai juste... Ne fais pas ça à dire. Mais non, mais c'est... Pas en ce moment, et surtout pas avec les dettes que j'ai. Mais j'ai juste... Allô, Courty? C'est quand des tirs? Qu'est-ce que vous faites? Oui. Vous appelez son notaire? Non, laisse-moi. On n'a pas le droit de faire ça. Allez, tais-toi. On n'a pas le droit de faire ça. Oui, comment vas-tu depuis notre dernière partie au Condry? Ah oui. Non. Eh, dis donc, c'est à propos d'une de mes clientes, la Madame Verdier. Elle est venue me voir parce que son mari vient de décéder. Elle me disait que tu étais le notaire de son mari. Oui, c'est ça exactement, Michel Verdier. Et donc, je suppose qu'il y a un testament. Non, comment ça, il n'y a pas de... Ah, d'accord. Non, hé, François, tu ne m'as pas appelé, hein? Allez, François, à bientôt, oui, hé, à bientôt. Rien, pas un mot, pas une lettre, rien. Et ça? Je ne vois rien. Comment ça, rien? Si Maître Courty dit qu'il n'y a pas de testament, s'il n'y a pas de testament. Ah, on n'a pas le droit de faire ça, Bernard. Ça. Tu me parlais de nombre tout à l'heure. Tu sais, quand on voit un collaborateur qui s'investit, on se sent redevable. On a une dette morale, une dette d'honneur. Vous ne pouvez pas me demander ça, Bernard. Nombre, c'est juste là, à portée de main. Tu l'as là, tu le touches. L'ombre, pas l'ombre, l'ombre, pas l'ombre. Je te parle comme à mon fils, Pierre, et à ta place, moi, je fais tout pour cette affaire, ne m'échappe pas. Mais je ne peux pas faire ça, Bernard, je ne peux pas. Pierre. Allons, ça, on n'a pas le droit, c'est tendu, on franchit la ligne, là. De l'ambition, Pierre, et je repasse dans 5 minutes. Allez, tiens, je te prends un cigare, j'en ai. Eh ben, servez-vous. Merci, c'est fait. Non, mais je peux pas faire ça. Je peux pas faire ça. L'ombre, pas l'ombre. L'ombre, pas l'ombre. Je l'ai fait. Oui. Bonjour. Bonjour. Vous désirez Oui, Maillard, problème, couple. Oui, alors monsieur Maillard, c'est moi, effectivement. Ah, très bien. Je ne pense pas qu'on ait rendez-vous. Non. Alors je suis désolé, mais je n'ai pas le temps. Alors le mieux, c'est que vous alliez voir ma secrétaire. On lui dit qu'on s'est vu et puis vous prenez rendez-vous. Non, mais c'est... C'est le premier bureau sur la droite. Au revoir, monsieur. Bon, alors tu l'as fait. On reprend ses esprits. Ordre. Et discipline. Mon style. Tu pourrais au moins me demander si je ne me suis pas fait mal. Tenez, monsieur Maillard, j'ai besoin de vos signatures. Pourquoi faire? Ce sont les papiers d'Ozendorfer. Eh ben, donnez-les-moi! Ah, te voilà! J'avais même pas remarqué que j'avais perdu un stylo. Bon, vous avez vu avec le titre que je vous ai envoyé? Qui ça? Ben, je ne sais pas, je lui ai dit d'aller vous voir. Non, je n'ai vu personne. Mais bien sûr.
Pierre, je ne suis pas là pour te mettre des bâtons dans les roues. Eh bien, moi, si. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Frédéric Fayet, Sophie Dantin, intérimaire chargé des tâches administratives pendant encore 1h45. Enchanté. Enchanté. J'espère que ce sera un intérim de longue durée. Merci. Ça m'étonnerait. Qu'est-ce que vous faites encore là? Vous n'avez pas vu ma secrétaire? Si. Alors qu'est-ce que vous faites là? Vous avez pris rendez-vous? Non, mais je ne veux pas prendre rendez-vous, je ne peux pas parler à votre secrétaire. Bon, je suis désolé, je n'ai pas le temps, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je l'ai encore moins. Alors, le mieux, vous repassez demain, et demain je m'occupe de vous si c'est urgent. Promis, demain! Non, pas demain. Ne peux rien faire de mieux aujourd'hui, il faut absolument que je travaille. Tu pourrais au moins me demander si je ne me suis pas fait mal. Tenez, monsieur Maillard, j'ai besoin de vos signatures. Encore? Oui, monsieur Maillard. Ben, je les ai déjà signés, ces papiers. Non, monsieur Maillard. Comment ça, non? Non, monsieur Maillard. Ben, dans Underfer, je les ai signés il y a 5 minutes. Oui, monsieur Maillard. Mais je te dis que je les ai signés! Oui, monsieur Maillard. Ben, voilà. Mais vous devez confondre. Regardez, il n'y a aucune de vos signatures. T'en signer un truc qui ressemblait à... Voilà, il faut que je prenne un café, moi.
Bonjour. Bonjour. Pourquoi tu dis bonjour, toi? Par politesse. Tu ne nous présentes pas. Frédéric Fayet, enchanté. Enchanté, sans fil en main, la secrétaire. J'espère que ce sera un terrible de longue durée. Merci. Bon, je signe. Hein, ce coup-ci, on est d'accord, hein, je les ai signés. Oui, monsieur Maillard. Si vous avez le moindre problème, mon bureau est juste là. Merci. N'hésitez pas. Sophie, un grand café. Bien sûr, monsieur Maillard. Non, mais t'as vu le cul qu'elle a ? Oui, oui, j'ai vu. Tu m'as déjà fait ce que je t'ai demandé ? Oui, tiens, j'ai même eu le temps de travailler sur le dossier Villon. Ah, t'as encore réservé au Plaza ? C'est marrant ça, pourquoi tu me dis ça ? Eh ben, fais gaffe qu'elle te mette pas son soutien-gorge dans le bol de cacahuètes, cette fois. Tu la connais ? Ben, pourquoi il s'est éteint, oui ? Ils sont excellents, ici, hier ! Vous voulez la voix ? Je ne les aime pas. Ah bah, apparemment, vous plus. Mais je les remercie. Alors, tu as pris ta décision? Parfait, dis-moi. Si tu pars à Londres, tu ne vas pas avoir le temps de t'occuper du dossier de Mme Vernier. Alors le mieux, c'est que tu le signes en premier avec elle, et ensuite on fera en sorte que Frédéric la reprenne. Hein? Ah oui, et n'oublie pas d'y ajouter une petite dose pour la reprise. Hein? Bien, très bien. Continue comme ça. Tu n'as rien remarqué d'anormal? Par rapport à quoi? À le tapis, par exemple. Ah ben non, ça, tu n'étais pas là. Mais bonjour, bonjour, Londres, les cigares. On comprend pas. C'est une blague? J'aimerais bien. Hey, dis-moi, en fait, comment tu la connais, la pointe de chez Villon, toi? Ben, sur où tes corrections? Tu t'es trompé de feuille, tu me redonnes la même chose? Ben non, c'est ce que tu m'as demandé. Mais y'a pas de modification, là, regarde! Mais quelle modif? Je t'ai demandé un travail sur les arrêts de jurisprudence. Tu m'en trouves de plus récent. Je crois pas, mais il suffit de le demander. Eh ben, je te le redemande. T'as qu'à braguer, tu sais où est. Viens, Maillard. Je fais quoi comme modif? Je viens de te le dire. Oui. Monsieur Bormann. Les journaux. Attendez, on ne s'est pas déjà eu au téléphone? Oui, ça je sais, ça, mais où aujourd'hui? Non? Non, c'est la première fois? Non, parce que on ne s'est pas eu, ne serait-ce que deux petites minutes? Non? Non, parce que moi je pensais, moi. Non, je pensais, mais... Non, ça va bien. Oui, c'est ça. À tout à l'heure, monsieur Bormann. Mais qu'est-ce que vous faites encore là? Mais il faut vraiment que vous m'écoutiez parce qu'à part... Je me fous de ce que vous avez à me dire. Vous venez pourquoi? Vous voulez me vendre quelque chose? Je ne veux rien. Et si vous me laissez... Non. Bon, mais il y a un truc là. Tu pourrais au moins me demander si je ne me suis pas fait mal. Mais ça peut arriver à tout le monde! Non, ça n'arrive pas à tout le monde, ça t'arrive à toi! Ah, d'accord. Si tu crois que je vais craquer, hein. Je suis désolée, monsieur Maillard. Je ferai attention la prochaine fois. Ah, mais ça fait trois fois! Trois fois, c'est quoi? C'est une crise de chute! C'est pas qui, c'est quoi? J'ai besoin de vos signatures. Ah non, là, tu te fous! Ah. Non, monsieur Maillard! Arrête avec tes noms, monsieur! Arrête! Tu les as mises où, mes signatures? Mais je ne vois pas de quoi vous parlez! Non, mais c'est pas possible! Je les ai déjà signés. Mais je viens juste de taper le courrier. Non, c'est pas possible. Et mon café, il est où mon café? Il est où mon café? Vous voulez un café? Sors de mon bureau. Avec plaisir, monsieur. On le voit, ce tapis, quand même, non? Il y a un truc là. Bonjour.
Mais vous en souvenez pas. Et
toi, je te demande sans arrêt des corrections que tu ne m'apportes jamais. Quelle correction? À toi! À toi! À toi! À toi! À toi? C'est pas ton écran? Si! Mais il est éteint! Et ça? C'est pas ton stylo? Si! Je comprends rien. J'en ai 17, moins 1 ça fait 16, plus les deux ça fait 18, avec celui-là ça fait 19, alors que là j'en ai 16, et avec celui-là ça fait 17. Vous pouvez répéter. C'est quoi le problème? Mais c'est excellent, Seigneur! Le voilà le problème. Le problème? Ah non. Il y en a pas. Tenez. Pour votre collection, ça fait plaisir. Et puis pour le testament, Londres, les papiers, la succession, les dossiers, j'ai tout fait trois fois, j'ai tout fait. Bien, très bien. Continue comme ça. Bon, c'est bon, vous avez fini, on peut se parler deux secondes. Alors, vous, ça va, hein. C'est déjà assez compliqué comme ça. Sortez de mon bureau. Oui, ben je me tais. Mais restez! Mais j'avais pas l'intention de partir. Qu'est-ce que vous faites? Ben on reste! Mais réglez vos problèmes, je vous attends. Je ne veux pas vous parler, je vous ai demandé de partir! Mais restez! Non mais, t'as pris un truc des médicaments? Non? Non mais je vais peut-être me faire un petit assortiment. Je revis les mêmes choses sans arrêt. Mais c'est de ça dont je veux vous parler. Ah, ça vous fait pareil? Ah, vous voyez que c'est pour moi qu'il y aille, ça lui fait la même chose. Demandez-lui, il vous dira. Mais ça va se compliquer. Mais tu ne réponds pas. Bon, la peine? Je sais qui c'est. Bon, expliquez-leur parce que moi, ils ne veulent pas me voir. Ça ne va pas servir à grand-chose, c'est à vous qu'il faut que je parle. Pourquoi? Pierre! À qui tu parles, là? Voilà pourquoi. Non, mais vous le faites exprès, vous. Ben, il va falloir y mettre un peu du monde, sinon on va jamais pouvoir s'en sortir. À qui tu veux que je parle? Si à qui? On est nombreux dans cette pièce. Hein, demandez-lui ce qu'il vous dira. Non, mais à qui? Comment ça, à qui? À lui, là. Pierre, tu sais qu'on va au tribunal dans 2 heures. Bon, moi, je pense que je vais appeler un médecin. Dites-leur que je ne suis pas malade. Il est pas malade. Ah, voilà, je ne suis pas malade. Mais Pierre, mais il n'y a personne. Oui, mais il n'est pas malade. Vous voulez me tuer, quoi? Comment ça, il n'y a personne? Et lui, là, c'est personne, là, hein? Oh, je vous ai posé une question, hein? Pierre, arrête de gesticuler comme ça! Ah bon, allez, j'arrête de jouer, vous allez leur dire. Mais vous n'avez pas compris qu'ils ne m'entendent pas? Ils ne vous entendent pas? Vous ne l'entendez pas? Oui, ben ça c'est logique, oui. Ah, le téléphone. Vous l'entendez, le téléphone? Oui, il y a une sonnerie, bien sûr. Oui, alors vous entendez le téléphone, mais vous n'entendez pas le pingouin qui parle. Parce que c'est un pingouin. Parfaitement. Mais moi, c'est un canapé que je vois, c'est pas un pingouin. C'est de moi qu'on parle, là. Parce que vous ne le voyez pas non plus. Oui, ben ça aussi, c'est logique, ça. Je ne peux pas vous parler. J'ai un pingouin sur le feu. Alors là il y a la maman pingouin. Là il y a le papa pingouin. Puis là il y a le bébé pingouin. Non mais je vous comprends, il y a quoi dérailler. Mon père, tu vas te calmer. Hein? Tu te souviens? Vous vous souvenez? Vous avez une audience extrêmement importante dans 2 heures. Ordre et discipline. Elle a raison, calmez-vous et puis arrêtez avec ce toc, là. Tu te souviens? Vous vous souvenez? Vous avez une audience extrêmement importante dans 2 heures. J'ai l'impression d'avoir déjà vécu cette scène. Alors vous allez me laisser tranquille. Et là, vous voyez que c'est trop le pingouin, hein? Hein? Vous voyez, là? Hein? Capoute le pingouin! Hein? Hein? Tu l'as mis où, ma poubelle, salopard? Hein? Le pingouin, ouin, ouin! Le pingouin, ouin, ouin! C'est trop fou!
Pierre, tu vas où là? Au tribunal du Palme. Concentré, vous auriez pu signer. C'est une catastrophe. Ouais, ça c'est sûr. Pourtant, à un certain moment, on se serait cru dans un film. Et quand vous étiez au milieu, là. Monsieur le Président, mon client ne pouvait pas accepter. Je demande le renvoi. Bonjour, madame, oui. Pourrais-je parler au docteur Valentini, s'il vous plaît? Oui. Pierre Maillard, oui. Alors qu'il me rappelle directement à mon bureau. Oui. Merci, madame, oui. Oui, c'est grave. C'est grave, c'est très grave. Merci, merci. Et vous avez mal où, hein, je peux peut-être vous aider. C'est une catastrophe. Ouais, on a quand même bien rigolé. Hein. Et je vous ai vu quand je faisais des signes derrière le juge, vous avez m'esquissé un sourire. Je viens de perdre le procès de ma vie. Londres était juste là maintenant, tout est foutu. Vous savez, Londres, moi je n'y suis resté que deux jours. Bah, le temps était trop pourri. Puis en plus, ils parlent tous anglais, on n'y comprend rien. Bah, vous verrez un jour, vous en rirez. Le Bernard ne me le pardonnera jamais. Non mais arrêtez de tout dramatiser. Oh, c'est vrai que je n'y connais pas grand-chose en matière de... L'affaire bon, et d'abord, je vous parle parce que je ne peux parler qu'à vous. Hein? Et puis, deuxièmement, moi, si je dis ça, c'est pour essayer de vous réconforter. Parce que, personnellement, je m'en fous. Il ne va jamais s'arrêter. Mais c'est vous qui me parlez, je vous réponds. 4 heures. Pendant 4 heures, il m'a parlé comme ça. 4 heures. Comment voulez-vous que je gagne, moi? Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous n'étiez pas assez concentré. Il va falloir arrêter maintenant. Hein. Partez, disparaissez. Mais je ne demande que ça. Bon, et puis maintenant, vous avez lamentablement raté votre procès. On va en profiter pour tout mettre à plat, essayer de comprendre ce qui nous arrive. Et puis remarquez au passage que j'étais très patient. Bon, commençons par bien. Qu'est-ce que j'ai fait ce matin? Oh, c'est vrai. Et d'ici qui? Arrêtez avec ce toc, là. T'as qu'il y a ce matin, cette idée, tu m'as gavé. Je veux avoir 5 minutes. Ça va? Je dis, ça va? Ouais, ça va. T'en veux un? Non, merci, non. Et dis-moi, je suis désolé pour ce matin, ce qui t'est arrivé à l'audience. Et... tu le vois toujours, ton pingouin? Oh, oh. Non, ça va beaucoup mieux, là. Ah ouais, ben, ça se voit, ouais. Allô? Ben, je vous entends mal! Maillard, et oh! Oui. Ah, docteur, merci de nous rappeler. Non, ce ne sera pas long, vous allez comprendre tout de suite, c'est très simple. Voilà. Il y a quelqu'un qui me suit partout et qui n'arrête pas de me parler. Ben non, je ne peux pas aller au commissariat. Mais parce que c'est moi qui l'ont enfermé. Depuis ce matin. Non, je ne peux pas vous le passer parce que vous ne l'entendrez pas. C'est grave! Il ne va pas servir à grand-chose, le docteur. Non, je ne peux pas passer avec lui au cabinet parce que vous ne le verrez pas non plus. C'est grave! Oui, je me calme. Mon moi intérieur. Oui, en l'occurrence, il est plutôt à l'extérieur du moi intérieur. Me calmer. L'accepter, ne pas me fermer, ça va passer. Ah ben merci docteur. Ah ben j'ai bien fait de vous appeler. Ça aide. Si vous avez besoin de parler, je suis assez fin psychologue. Je refuse que vous soyez mon moi intérieur. Maître Maillard. Oui, monsieur Bormann, attendez. Non, je ne sais pas ce qui s'est passé. Non, je vais vous expliquer, je ne comprends pas comment ce détail dans ce dossier a pu m'échapper. Non, mais je croyais que c'était 1,42 alors qu'en vérité c'était 1,24. Pas assez concentré. On les tenait, hein. Oui, vous avez raison, monsieur Bormann, oui. Je suis nul. Un minable. Un cloporte. Oh, ben non. Oh non, pour ça. Si, ben d'accord, ça aussi, alors. Je vais essayer, monsieur Bormann. Allô? Allô?
Bah alors, qu'est-ce qu'il a dit? Alors là, j'ai besoin d'un verre. Allez-y, parlez-moi, ne pas me fermer. Allez, mais j'en étais où, moi? Ce matin, ce matin, je me suis levé comme d'habitude, hein, je me suis lavé, je me suis habillé, puis je suis descendu de chez moi, et puis c'est là que je me suis fait écraser par le bus. Et puis je me suis retrouvé devant votre porte alors que je ne vous connais pas. Vous me connaissez, vous? Non, mais pas moi non plus. Et pourtant, j'ai ces mots dans ma tête. Maillard, problème et couple. Ben, je n'ai pas de problème. Mais moi non plus, je n'ai pas de problème. Et puis sûrement pas de couple. Enfin, je n'ai pas demandé à être là. Je suis autant victime que vous, Maillard. Enfin, tenez, tout à l'heure. À chaque fois, j'essayais de partir d'ici parce que vous ne vouliez pas m'ouvrir. Acceptez, il faut l'accepter. Eh bien, à chaque fois que je dépassais votre immeuble, je revenais à votre porte. Et apparemment, on revenait en arrière. Or, ça ne l'a pas fait quand on est descendus tous les deux. Ce qui signifie que lorsque je m'éloigne trop de vous, on revient à tout à l'heure. Enfin, vous comprenez? On est unis pour une raison. Ça va passer. Je sais qu'il pourra nous aider. Et ma femme, appelez ma femme. Et pourquoi moi? Parce qu'elle ne va pas m'entendre. Ah ben oui. Et allez-y doucement, si ça se trouve, elle n'est même pas au courant qu'il m'est arrivé quelque chose. Oh, la pauvre petite biche, quand elle va apprendre la nouvelle, ça va lui déchirer le cœur. Numéro? Ah oui, 06-61-40-33-62. Et vous pouvez mettre le haut-parleur, s'il vous plaît. Merci. Oui, bonjour madame. Madame Brigitte. Madame Brigitte? Verdier de la famille Verdier? Bien sûr, Verdier. Qui voulez-vous que ce soit? Rappelez-moi plus tard. Je suis un avocat. Elle ne va pas tarder à me recevoir. C'est Brigitte Verdier. Bon, allez chez un avocat. Elle a dû apprendre la nouvelle. J'ai senti qu'elle avait une petite voix. Comment vous vous appelez, vous? Michel Verdier, pourquoi? Dans le merdier! Non, Verdier, avec un V comme... Oui, ou comme viré. Alors là, j'ai vraiment besoin de... Là, faut que je trouve une idée. Elle avait l'air fébrile, non? Cela dit, avec la petite mallette que je vais laisser dans le coffre, elle n'aura pas de problème d'argent pour l'avenir. Il y a combien dans la petite mallette? 4 millions. 4 millions? Une toute petite mallette pour le quotidien. Une mallette de taille normale, comme ça, là, en croco. Bon, je me suis compris, c'est l'essentiel. Alors, écoutez-moi, monsieur Verdier. Monsieur Verdier. Vous ne pouvez pas rester ici. C'est un cabinet d'avocats, on a un secret professionnel à respecter. Ah, mais je ne répéterai rien. Ce qui se passe ici, reste ici. Bon, on était encore sur le mode poli, mais je crois que ça ne va pas durer longtemps. Mais puisque je vous dis que je suis une tombe. Ordre et discipline. Agaçant, arrêtez avec ce toc-là. Bon, ta cliente de ce matin, celle qui est dans le macabre, elle attend dans le petit salon. Oui, alors toi, tu fais bien de revenir, tu vas m'aider, tu vas t'en occuper. Et pourquoi? Eh ben, on n'a pas le temps. Eh ben voilà, on n'a pas le temps. Pas de problème, c'est toi qui gères, c'est ta cliente. T'en veux un? Toujours pas, non. Mais, je suis désolé pour ce matin, ce qui t'est arrivé à l'audience. Dis-moi, tu le vois toujours, ton pingouin? Tu le vois, toi? Non? Eh ben moi non plus. Bien, Maria. Docteur? Ben, vous venez de m'appeler il y a 2 minutes? Si, je vous assure, je vous expliquerai. Intérieur, extérieur, ne pas me fermer, me calmer, ça va passer. J'ai compris, j'y travaille. Ça recommence? Non, là c'est pas moi, j'ai pas bougé. J'étais là, j'ai juste fait ça. Oui? Bah, il faut arrêter de m'appeler, docteur. Oui. Là, il faut consulter, docteur.
Ne bougez pas, l'ambulance arrive. Bon, ça suffit maintenant, oui. Non mais c'est complètement dingue, c'est moi qui fais ça. Quoi? Quand je pense à un moment précis que je refais votre geste, on y revient. C'est pas vrai. Si, si, regardez. Ah ben oui, c'est le docteur. Ah ben oui. On le refait juste une fois. Ah non, si, ah non, rigolez, non, 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 si jamais c'est le docteur, je vous casse les jambes. Ah non, 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 là, c'est pas moi. Oui. Oui, monsieur Barbat. Oui, je sais, je suis nul. Un minable, un cloporte. Vous voyez, je sais tout, hein. Tout à l'heure, il y avait même crotte de mammouth. Avec plaisir, monsieur Barbat. Ah, vous voyez que c'était pas le docteur. Alors là, là, j'ai besoin d'un verre. Non mais, attendez, Maillard, qu'est-ce qui nous arrive? On peut revenir en arrière? Non mais c'est terrifiant, ça. Alors maintenant, vous, interdiction de toucher à votre nez sans accord préalable, c'est clair? On peut jamais être tranquille ici. T'as peut-être des choses à me dire? Oh, Bernard. Alors, eh ben rien, il a été nul. Nul, même Bormann le dit. Je crois que physiquement, je vais pas tenir le coup. Parce que t'es fatigué en plus. Non, 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 je ne suis pas fatigué. Non, non. Je dois juste passer un coup de fil à quelqu'un qui n'arrête pas de me parler. Il est foiré, il a foiré. Allô? Alors il appelle qui maintenant? Non, 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 mais j'ai peut-être été nul, mais maintenant il va falloir me laisser travailler. Il rappelle Bormann. Et non! Il va se faire insulter encore, vous allez voir. Non, mais vous allez affirmer, vous. Et c'est qu'il a remonté le cloporte. Ah, vous êtes con, vous le faites exprès. J'aimerais pas être celui qui est au bout du fil. Oh, oh, hé, hé, c'est à vous que je parle. À moi? Non, non, tout va bien, tout va bien. Ah, mais c'est à moi alors, excusez-moi, je pensais que vous étiez au téléphone avec Bormann et. Vous prenez jamais de congé, vous? Pierre! Non, non, mais il est bête, il est bête! J'ai entendu. Ça m'étonnerait, ça. Non, mais vous avez la main devant le micro alors que je ne suis pas au téléphone, donc forcément, j'entends tout ce que vous dites. Vous faites pas les choses à moitié. Quand vous comprenez, on comprend très bien, vous comprenez tout. Quand vous comprenez pas, on comprend rien. Enfin, vous comprenez. Eh ben, dis donc, ça m'a l'air d'être un crétin, ton gars. Non, hein. Merci, Bernard. Il va me plaire, lui, il va me plaire. Maintenant, tu m'expliques là, parce que moi, là, j'ai autre chose à faire. Hein. Je suis désolé, Bernard. Je ne comprends pas comment ce détail dans ce dossier a pu m'échapper. Comme vous avez dit, vous êtes con, vous le faites exprès, c'est de moi que vous parliez. Non, je sais que c'est une catastrophe pour le cabinet et que Bormann ne voudra plus jamais travailler. C'est pas grave, c'est pas grave. Ça peut arriver à tout le monde. C'est pas grave. Un jour on gagne, un jour on perd, c'est comme ça. J'ai l'impression que vous me prenez pour un imbécile parfois. Mais alors, je voudrais surtout que tu m'expliques pourquoi Frédéric est toujours avec ta cliente. Alors que la convention d'honoraire pour la succession n'est toujours pas signée. Vous inquiétez pas, vous inquiétez pas, je gère la situation. Maintenant, oui, t'en occupe, maintenant. Très bien, très bien, très bien. Non, 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 pas maintenant. Demain matin. Mais pas trop tôt quand même. Hein. Vers 17h. 9h, demain matin. J'ai pris rendez-vous pour toi. Je vais être clair. Tu as commis une énorme erreur avec Bormann. Alors, je peux encore te donner une chance. Par contre, si tu me rates cette affaire, si tu ne signes pas cette convention, alors là, je te vire et tu peux dire adieu à Big Ben. Je ne la raterai pas, hein. Je ne la raterai pas, je vous le promets. Et il ne la ratera pas. Oh là là, demain matin. 9h. Alors là, je vais. Et si vous êtes concentré, vous signerez. Ne pas craquer, ne pas craquer. Mais vous ne craquerez pas, je suis là. Bon, est-ce qu'on peut revenir à notre problème principal, Maillard? C'est pas possible, à ce rythme-là, on est encore dans 10 ans. Je vous garantis que non. Alors c'est qui maintenant? C'est le docteur? C'est Bormann? Oui! Oui, Émilie! Oui, Frédéric vient de partir. Oui, votre mari est avec une... Avec un client. Hier? Hier? Oui, on a travaillé très tard. Hein. Comme d'habitude. Oui, vous avez raison. C'est une vraie bête de travail. Il ne s'arrête jamais. Toujours sur la photocopieuse, hein. Je vous en prie. Bonne soirée, Émilie.
ordre. Et non, 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 je ne le fais pas. Je ne le fais plus et vous ne le faites plus. Non, et puis de toute manière, ça n'a pas de sens. Enfin, il faut qu'on cherche. Ici, ici. Mais bien sûr que ça a du sens. Comme ça, demain n'existe pas. Oui, expliquez-vous mieux, je comprends pas, là. Oui, ceci, c'est très facile à comprendre. Même vous, vous allez pouvoir comprendre, hein, vous dire. Bon, non, il y a sûrement un détail dans ce dossier qui nous a échappé, ça c'est sûr. Donc alors, il faut qu'on revienne à ce matin. Quand vous avez frappé à la porte, et là on cherche. Vu l'état dans lequel vous êtes, ça m'étonnerait que vous ayez l'œil bien ouvert. Et puis, s'il y avait eu ne serait-ce que moins gravice, enfin, j'aurais remarqué. Ça, c'est pas dit, ça. Vous n'avez pas le temps de vous en rendre compte, mais je peux être très perspicace. Vous avez encore besoin de moi, monsieur? Ah, surtout pas! Et je ne t'ai pas appelé! Ça devient lassant, ton petit jeu, Pierre. Je comprends que tu m'en veuilles, mais il y a des limites quand même. Dehors! Bon, alors, qu'est-ce que vous pensez de mon plan, hein? Il faut revenir à ce matin! Oh, 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 vous me faites peur, là. Ça fait qu'à 30 secondes, vous n'avez pas décroché un mot. Enfin, quand je dis un mot, une conversation, un monologue. Je pense. Eh ben, arrêtez de penser, ça vous évitera de dire une connerie. Au lit, c'est plus ça. Qu'est-ce que je disais? Ça ne va pas fort avec Madame Maillard. Mais il n'y a pas de Madame Maillard. Oh, et vous, la grande, là, hein? Pardon? Vous savez, sans me vanter, je connais plutôt bien les femmes. La mienne pourrait vous le confirmer. Une femme assez exceptionnelle, je dois dire. Ça, c'est sûr. Oui. Vous me cachez quelque chose avec cette fille. Mais pas du tout. Mais si, mais bien sûr, mais Maillard, problème, couple. Mais je comprends mieux maintenant. Ben, c'est la nouvelle secrétaire, elle est arrivée ce matin, je la connais même pas. Ben, vous faites une erreur de taille, vous. Une erreur de taille 90C. Mais vous croyez que je n'ai pas remarqué qu'il y a de l'animosité entre vous? Ça cache un principe, ça. C'est même pas vrai. Parce que d'abord, on se marre tout le temps. Ah oui. Vous avez encore besoin de moi, monsieur? Oh, ma Soso. Ah oui, comme elle est drôle. Vous voyez qu'on se marre tout le temps. Alors allez, emmerder quelqu'un d'autre. Alors quand est-ce qu'on part en voyage? Mais c'est ma main qui va voyager dans ta gueule. Ne va pas trop loin, Pierre. J'ai peut-être mal agi il y a quelques années, mais c'est pas une raison pour me parler comme ça. Qu'est-ce qu'elle est drôle. Pathétique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé il y a quelques années? Le crâne, ça y est, le crâne. Arrêtez! À ce rythme-là, vous allez vraiment finir bourré! Eh ben, vaut mieux être bourré que con! Ça dure moins longtemps! Eh ben, je ne lâche rien! Je suis un teigneux! Vous avez encore besoin de moi, monsieur? Bonjour, docteur! Baguette! Hey, j'ai mis le pingouin dans la poubelle! Mais tu es complètement sourd! Pourquoi? Oh, mais arrête! Oh, arrête de te mettre dans des états pareils! Mais Maillard! Non, mais qu'est-ce qu'il fait? Non, mais Maillard! Eh oh! Maillard! Non, mais il dort maintenant! Maillard! Ah oui, c'est bien ça. Vas-y, ma grande. Vous avez de la chance d'être tombé sur un as comme moi, je vous le dis. Il n'y a rien qui m'échappe. Un petit moment d'intimité? Oh, vous êtes mignons tous les deux. Ce n'est peut-être pas vraiment un hasard si je suis là. Tu te souviens? Ce petit resto italien, la Gioconda. On s'était toujours dit que s'il se passait quoi que ce soit entre nous, on se retrouverait là-bas. Je t'ai attendu. Oh, coco, le coco.
Ah, des meilleurs vers libres. T'es un champion. T'as tout compris. Aïe, 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 Mayday, on a un problème, je crois que mes pieds, Maya, faut se réveiller maintenant. Maya. Ah, Maya ah oh, oh, Bernard, je suis désolé, je faisais un cauchemar. T'as vu l'heure qui est? Mercredi et demi. Il est mardi moins le quart. Non, mais je rêve ou t'es la gueule de bois? Vous pouvez parler moins fort, s'il vous plaît. Debout! Il est 9h moins le quart. Alors maintenant, tu te ressaisis. Tu me retrouves ta tête, et tu me signes cette convention d'honoraire pour la succession, c'est compris? Voilà, vous nous l'avez encore énervé. Pardon? Oh, oh non, oui. Oui, je la signe. Préfère ça. Oh. Mais pourquoi on n'est pas revenu à hier? Mais parce que ça ne sert à rien. Le petit détail que vous cherchez. Eh ben moi je l'ai trouvé. Eh oui, c'est Verdi, il en a là-dedans. Et votre secrétaire. Non, vous n'allez pas remettre ça. Oui, mais elle est amoureuse. Oui, si vous voulez, elle est amoureuse. Très amoureuse. Je le savais, ça se sent, ça. Mais je n'osais pas vous le dire. Bon, tu sais que dans 10 minutes, tu vas ton rendez-vous de succession avec la femme du Maccabée. Je sais. Il va veiller. Je ne veux pas qu'on en parle. Pardon?
Il est con. Ah oui, oui, pardon. C'est un effervescent. Non, c'est un suppositoire. J'en peux plus, j'en peux plus. Je sais pourquoi vous êtes là, je vais tout vous dire. Mais moi aussi, je sais pourquoi je suis là. Et vous n'auriez pas fait un bon psychologue, hein. Bon, écoutez-moi, ne touchez pas au cochon. Et maniaque en plus. Bon, j'espère que tu es prêt parce qu'elle est là, je la fais rentrer. Oh oui, là, la faut, 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 là, la faut. Oui. Eh ben, si j'avais su que c'était si simple. Il est parti. Il est parti? Avec mon cochon? Mais il est parti! Sans lui. Oh là là, oui. Vous pouvez pas imaginer à quel point. Oh si, oh si. Oh si, je me mets tellement à votre place. Le soulagement, le choc, choc que vous avez dû ressentir en apprenant la terrible nouvelle. Vous êtes restés longtemps ensemble. 6 ans, sans traitement, sans rien. Oui, bon, on peut peut-être revenir à notre dossier. Hein. Oui, 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 alors j'ai beaucoup réfléchi à votre problème, bien sûr. Donc, il n'a déposé aucun testament chez son notaire, et celui que vous nous avez laissé a été malheureusement détruit. Maya! Mais alors, comment ça va se passer? Je vais avoir droit à quoi? À la totalité? Non. Dans votre cas, il y a un enfant qui n'est pas... Maya! Ah! Il est là! Vous avez donc le droit à la moitié du quart, des biens. Maya! Mais vous plaisantez! Moi je refuse! Qu'est-ce qu'elle va faire de tout cet argent? Maya! Non, mais vous inquiétez pas, madame. Il y a toujours moyen de s'arranger. Il y a toujours moyen de s'arranger. C'est-à-dire? Maya! Mais qu'est-ce que tu fais là? Maya! Vous n'entendez rien? Non, on n'entend rien. Et une fois que la succession a eu lieu, de faire. Maya! Mais si! Mais quoi? Vous n'entendez pas le cochon qui parle? Maya! Et là, vous l'avez entendu, là! Qui? Non, mais Maître Maya a toujours eu le sens de l'humour décalé. C'est lui, il n'est pas parti! Mais qui ça, lui? Le pingouin. Le mari. Le cochon. Le mari de la cochonne! Moi, je me comprends. Tant mieux. Viens, on peut se parler une seconde dans mon bureau. Maya! Madame Cartier, vous allez signer. Avant de signer, moi j'aimerais bien qu'on me... Vous ne pouvez pas imaginer ce que j'ai dû faire pour vous, ce que je subis depuis hier. Alors signez parce que vous ne trouverez pas mieux ailleurs. Mais ça sert à rien de brusquer Madame Verdier, il y a toujours moyen de s'arranger. On n'a pas rien. On sait pas ce qui peut se passer. C'est un malade. Alors signez Madame Verdier ou nous n'aurons peut-être plus jamais l'occasion de le faire, croyez-moi. Maya. Signez. Oh, comme ça tout le monde est content. Merci. Bon, ben maintenant, j'aimerais qu'on m'explique comment ça va se passer. Bon, nous allons nous revoir très bientôt, mais pour le moment, vous ne vous occupez de rien. Maya! Et puis, partez, loin. Partez dans le désert, le soleil, c'est très bon pour le bon. Bon, je vous laisse entre les mains de Maître Fayet. Enfin, si j'ose dire, hein. Il va vous expliquer dans les moindres détails. Je pense que c'est préférable. Voilà. Allons-y. Au revoir, madame. Bon, ça y est. Bon, j'ai mon billet pour Londres, je l'ai. Maya! Alors là, on va se parler entre quatre yeux, d'homme à homme. Je ne sais pas comment... Regardez-moi quand je vous parle. Je ne sais pas comment vous vous êtes retrouvés là-dedans, et je ne peux pas le savoir. J'ai tout fait pour éviter la rencontre avec votre femme, mais il y a la un moment... La femme de fille. Comment?
C'est quoi là sur ton bureau? Un ordinateur. À côté de l'ordinateur. Le téléphone. Entre l'ordinateur et le téléphone. Ah. Eh bien ça c'est un cochon, Bernard. Tu parles à un cochon? Moi? Maya. Moi je parle à un cochon. À lui, à lui. Tu parles à un cochon. Eh, d'abord c'est lui qui a commencé. Non mais j'aurais. T'as encore recueilli ta cliente à Frédéric pour pouvoir parler à un putain de cochon au lieu de signer la convention? Ah non, c'est bon, je l'ai. Elle l'a signé, c'est bon. Et qu'est-ce que tu me racontes, là? Elle n'a pas mis de condition? Ah non. Elle n'a pas voulu attendre? Non. Tu peux me la donner, là, s'il te plaît? Mais bien sûr. Maya! Bien sûr. Tenez, Bernard. Fais mon garçon, tout de suite. Alors, vous êtes content? Ah oui. Vous pensez toujours à ce que vous m'avez dit pour Londres hier? Ah, pour ça, t'inquiète pas, j'ai toujours pas changé d'avis, hein. Adieu, Maya! Justement, on est dans une petite conversation. Vous voulez qu'on parle des conditions? Écoute, Pierre, les conditions vont être assez simples. Hein. Maya! Ah! Quoi? Il est revenu! Qui? Le Maya! Le mari de la cochonne! Je demande pardon? Quand dites que je suis pas là! Maya! Mais plus fort, dites que je suis pas là! Il n'est pas là! Il n'est plus d'accord de quoi? Il est plus flou! Non, on ne peut pas partir, mais qu'est-ce que... Dégage, j'ai comme pensé par la tête, donc allez, dégage. Il est revenu. Et pas moi. Mais le psy devrait y penser. Maya. Ah. Bah, je m'inquiétais. Oh, bah, je vous ai cherché partout. Pas de ça avec moi, Maya. Qu'est-ce que ma femme est venue faire ici? Votre femme? Oui, parfaitement, ma femme, Brigitte Verdier. Arrêtez de me prendre pour un imbécile. Je veux bien essayer ça, mais... Arrêtez là! Attendez. Verdier. Ah oui. Oui, ma femme, vous me le dites, oui. Il y a un moment, je me suis posé des questions. J'avais pas fait le rapprochement tout de suite entre Verdier... Et Verdier. Qu'est-ce que vous m'avez pensé avec ma femme? Mais rien, elle est venue me demander des conseils. Non, puis vous savez que c'est dur pour elle, elle vient de perdre son mari quand même. Sans blague. Je vais tout vous expliquer. Pas la peine. Et surtout, ne la faites pas revenir. Je vais me gêner. Ah non. J'espère que tu es prêt parce qu'elle est là, je la fais rentrer. Ah non, faut que vous n'avez pas fait ça. Si, laissez-la rentrer. Maître? Ah oui, Madame Verdier, allez hop, vous allez signer. Mais qu'est-ce que tu viens faire là? Non mais j'y crois pas. Ça fait des heures que vous parlez. Arrêtez de parler. Je cherche des solutions et vous dites. Non Madame Verdier, vous me dites rien, c'est qu'on m'achète pas. Voilà. Mais c'est pour ça que vous voulez pas voir. Signez les conditions. Oui, bon, signez. Ah, Maya, là la France des péchés. J'ai qu'un conjoint. Là je suis ça. Là je suis un social. Vous connaissez. Suivez les conditions. On l'a plus. Et là ça. Il y a un problème, c'est ça? Et vous savez pas comment me le dire? Dites-lui que c'est une salope. Dites-lui que c'est une salope. Dites-lui ou j'écrase tous les cochons à part. Eh bien, dites-lui. Dites-lui. Madame Verdier. Allez, dites-lui. Madame Verdier. Ça me sent plutôt bien engagé, hein. Je sais pas pourquoi, mais j'ai du mal à croire à la bonne nouvelle. Expliquez-moi. Maya, dites-lui, sinon les cochons... Mais non, pas les cochons. Eh bien alors, dites-lui. Dites-lui. Ça. Oh là, ça. Là, ça.
possible. Maître, on avait rendez-vous hier soir, vous avez annulé, je n'avais rien dit. Mais alors là, ça fait 10 minutes que vous parlez sous extasie. Alors, si vous n'avez pas envie de vous occuper de moi, vous me le dites. Voilà, il n'a plus envie, vous allez lui dire que vous n'avez plus envie, Maillard. Mais pas du tout, madame Verdier. Mais Maillard, vous n'avez plus envie. Alors, si vous n'avez pas envie de vous occuper de moi, vous me le dites. Qu'est-ce que je vais vous dire? Pas du tout. Maillard. Alors, vous n'avez pas envie de vous occuper de moi, vous me le dites. Mais pas du tout. Maillard. Alors, si vous n'avez pas envie de vous occuper de moi, vous me le dites. Non. Vous me le dites. Non. Vous me le dites. Non. Vous me le dites. Non, toujours non. Vous me le dites. Non. Vous me le dites. Non, non. Vous me le dites. Non. Vous me le dites. Non. Vous me le dites. Non. Non, et puis merde. Hein. Vous êtes venu voir pour le testament. Quel testament? Quel testament? Celui de mon mari. Mon testament? Son testament? Mais il n'y a plus de testament. Quoi? Il a été déchiré. Déchiré? Ton Dieu, c'est pas vrai. C'est exprès, quoi. Mais c'est lui qui l'a fait. Vous avez déchiré mon testament? Ah non, j'ai rien fait, moi. Oh là là, vous fatiguez tous, je m'en vais. Ah, attendez une seconde, madame Verdier, attendez. Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires? Bon, je suis affreusement confus, madame Verdier. Alors vous, quand vous me donnerez des réponses claires... Elle a raison, mais qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qui se passe ici, là? Il se passe que je n'ai jamais vu un tas d'abrutis pareil. Je m'en vais. Bon, oh, attendez, madame Verdier, ne partez pas. Je vais régler le problème tout de suite. Pierre, tu me la rattrapes, ou sinon je t'empale sur Big Ben, moi. Madame Verdier, je crois que ça me revient. Tu aurais dû faire ce que tu avais prévu depuis le début. Le virer juste après l'audience. Eh ben moi, je pouvais pas prévoir qu'il allait me claquer entre les doigts, ce con-là. Il avait juste à faire signer la veuve, c'était quand même pas compliqué. En plus de ça, on avait réussi le plus difficile avec cette pièce à remplacer avant l'audience. Il s'en était même pas rendu compte. Mais c'est un vrai repère de pourri ici, en fait. Je n'ai pas pu la rattraper, Frédéric, t'es témoin. C'est bon, je ne comprends pas ce qui lui a pris de partir comme ça d'un seul coup. Regarde-moi bien, Pierre. Regarde-moi. Regarde bien mon regard. Si dans 30 secondes t'es encore là, alors moi je te prends par la peau du cul et je te fais du stress parquet, moi. Mais c'est pas de ma faute. C'est à cause de lui, là. Qu'est-ce qu'il a encore fait, lui, là? Mais non, j'ai rien fait, moi. Et j'ai trouvé encore plus dégueulasse que vous. Non, mais attendez, j'ai peut-être encore une compte. Attendez, que j'étais pas trop tôt. Ne bougez plus. Mais qu'est-ce que j'ai trouvé? Qu'est-ce que j'ai trouvé? Oh là là là. Et tu aurais dû faire ce que tu avais prévu depuis le début. Le virer juste après l'audience. Eh ben moi, je pouvais pas prévoir qu'il allait me claquer entre les doigts, là, ce con, là. Il avait juste à faire signer la veuve. C'était quand même pas compliqué. En plus de ça, on avait réussi le plus difficile avec cette pièce à remplacer avant l'audience. Il s'en était même pas rendu compte. Oui, bah, tu te consoleras avec les 400 000 de Bordeaux. Mais qu'est-ce qu'il fout maintenant, là? Trouve-le-moi et dis-lui de venir dans mon bureau pour que je fasse un plaisir de virer, hein? Oh là 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 là. C'est quoi cette histoire? Eh bien, c'est clair, hein? Vous êtes fait couillonner. Comme moi. Ah non, non, non. Ah si, si, si. Puis bien en plus. Ils m'ont menti. Vous aussi. Ils m'ont arnaqué, vous aussi. Ils m'ont baisé. Ma femme avec. Pourquoi vous avez déchiré mon testament? Ah non, mais je ne voulais pas, c'est cette machine qui s'est emballée là. Non, c'est vrai, je l'ai fait quand même. Vous avez vraiment cru qu'il allait vous envoyer à Londres? Et vous avez vraiment cru que votre femme vous aimait? Oui. Oui, enfin... J'ai bien senti que ces dernières semaines, il y avait un peu de tension, mais rien d'insurmontable. À part vous. Ça faisait 6 mois que je préparais votre divorce. Ah non, non, non. Non, non, vous devez faire erreur. Non, 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 on s'aimait comme des fous. Elle a voulu aller faire les boutiques à New York, on est allé à New York. Et elle voulait un nouveau colis pour aller avec son bracelet, je lui ai pris le nouveau collier. Et elle voulait le dernier cabriolet, je lui ai pris le nouveau cabriolet. Et elle voulait vous plumer. Et vous a plumé. Mais c'est pas parce qu'on a soif qu'on est obligé de se jeter sur la première gourde venue. Je ne pensais pas ce que je disais. Je sais, vous ne pensez jamais ce que vous dites. 6 ans de travail. 6 ans de mariage. Pour en arriver là. Pour en arriver là. Ordre. Non, 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 attendez, Maillard. Ils n'ont pas encore gagné. Ah, vous avez raison.
Nous allons nous venger. Demain est un autre jour. Enfin, hier, oui. Hier est un autre jour. Oui. C'était pas mal. Pas mal? Non, non, mais c'était grandiose, oui. Vous n'avez pas vu l'avocat en face à moi, il ne savait même plus quoi lire. Il en bégayait. Non, 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 c'était du grand Maillard. C'était même du très, très grand Maillard. Et du grand moi. Enfin, on pourrait monter un cabinet tous les deux. Si c'est pour que chaque audience dure 6 heures. Oui, bon, ça c'était parce que c'était ma première. Hein. Je corrige tout de suite, c'était votre deuxième. Oui, bon, je suis revenu une ou deux fois en arrière. Et... les conclusions, 5 fois. Ah oui, mais oui, mais ce passage-là, c'était votre meilleur. Enfin, vous étiez bon. Oh, vous êtes parti tellement vite au tribunal ce matin que je n'ai même pas eu le temps de vous faire signer les papiers. Dosendorfer, je sais, mais j'avais trop de choses à faire. Excuse-moi. On ne se vous voit plus? Non. Non, non, ça m'épuise. Merci. Au fait, tu sais que j'ai failli tomber ce matin. Il faudrait vraiment que tu fasses quelque chose. J'ai bien envie, là. T'as compris? Elle cache bien son jeu. Revenez en arrière. Ah oui, oui. Il faudrait vraiment que tu fasses quelque chose. Hop là! Encore une fois, je te transmets sur la main du crayon. T'as compris? Ah oui, bien sûr. Il faudrait vraiment que tu fasses quelque chose. Rendez-moi ça encore une fois, je te transperce la main du crayon, t'as compris? Compris, encore. Un peu plus haut. Tellement vite ce matin au tribunal que je n'ai même pas le temps de vous faire signer les papiers. On en est où là? Ah ouais, dans une d'orfleur. Ouais, mais ça c'est moins drôle, quoi. On fait la paix. Tu m'as quand même traité de connasse ce matin. Le pauvre type n'était pas mal non plus, hein. Tu m'agresses, je me défends. Il y a quand même des détails qui la trahissent. Quel détail? Je sais ce que je dis. Tu m'agresses, je me défends. Et ne me dis pas que vous ne voyez rien. Voir quoi? Elle est amoureuse. Non, non, rien. Tenez là. Sa pupille. C'est un signe, ça. Mais pourquoi tu me dévisages comme ça? Je ne te dévisage pas. J'envisage. Tu peux y aller? Oui. Merci. Au fait, tu sais que j'ai failli tomber ce matin. Il faudrait vraiment que tu fasses quelque chose. Mais elle, elle le cherche. Vous pouvez pas me dire qu'il ne se passe rien avec cette fille. Vous la voulez la vérité? Oui, oui, voilà, c'est vrai. On a eu une histoire, mais c'est du passé. Vous me faites confiance ou pas, Maillard? Ça dépend. Et sur ce sujet-là, clairement, non. Ce n'est pas un hasard si elle est là. Bon, je vais vous le dire autrement, parce que j'ai l'impression que ça n'imprime pas là-haut. Elle n'a aucune envie de quoi que ce soit, et moi non plus. Oui, mais elle s'est fait engager dans ce cabinet parce que vous y étiez. Oh, mais arrêtez, vos intuitions, ça vous mène où, ça? Ça nous mène au moins jusqu'à la Gioconda. Comment vous savez ça, vous? Le petit restaurant italien. Quand vous dormiez hier, elle a dit qu'elle vous avait attendu dans ce restaurant, mais que vous n'étiez jamais venu. Alors, qui est-ce qui avait raison depuis le début? J'en peux plus, là.
T'arrives à prendre l'ascenseur, toi? Elle ne me répond pas, surtout, hein. Ah, si je connaissais l'abruti qui l'a bloqué. Pourquoi il me traite d'abruti? Ça, c'est pas drôle. Ah non, non, ça, c'est pas drôle. Bon, ben, je les pose où, là? Ça pèse une tonne, ça. Là, mets-les sur la petite table, là. D'accord. Attends. Non, mets-les plutôt là, sur la chaise. Attends. Non, tout compte fait, ils étaient mieux là-bas. T'es sûr? Regarde-moi. Non, mais tout compte fait, mets-les là-bas. Allez, je peux même te faire deux tas si tu veux, au fond où j'en suis. Non, je veux pas te déranger. Attends. Non, ils sont bien là. Allez, ça, là, c'est pareil, là. 47 PV. 48. Oh, je remettrai jamais, ça. Ça, c'est drôle. Ah, tu trouves ça drôle, toi? Non, excuse-moi, c'est nerveux. Tu as dû tomber sur un maniaque. Ah, pauvre type, tu veux dire. Mais où est-ce que t'as vu qu'on met 47 PV sur une voiture qui reste garée une demi-journée? J'en ai même un pour excès de vitesse. J'ai mis un quart d'heure à retrouver ma voiture tellement il y avait plein les essuie-glaces. Non, j'en ai pas la veste, moi j'ai trop chaud. Là. Et j'en ai pas encore fini avec toi, mon grand. Bravo, Pierre. Magistral. Merci. Oh, Merlin. J'aurais tellement voulu que vous soyez là. Ils sont arrivés avec une arrogance. Oh, j'étais persuadé qu'ils allaient s'en sortir. Ah oui, ils vont se prendre le maximum. Je leur ai donné une carte du cabinet en sortant. Pour plus tard, s'ils en ont besoin. Ah ah, c'est pas une bonne idée, ça? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose qui ne va pas? Ben, on dirait que vous... Enfin, on dirait que tu... On peut se tutoyer maintenant que je fais partie de la famille, hein? On dirait que tu t'attendais à autre chose, non? Oui, je suis ravi, ouais. Je l'avais besoin. Je suis ravi. Oui, je suis ravi. Oh, respire. Oh. Tu te sens pas bien là? Je ne vais pas pouvoir me retenir très longtemps. Retenir de quoi? T'as il le demande en plus. Oui, je suis ravi. Mais tu es très doué, Anne. Mais une question me brûle les lèvres là. Dans l'affaire, le pigeon, c'est toi ou c'est moi? Le pigeon? Non, rien. Laisse tomber. Bon, je vais te faire un café parce que je crois que je suis pas assez énervé. Moi non plus. Tu m'en fais un? Oui! Ça ne te dérange pas? Non. Tu plaisantes? Pas du tout. Sucre? Sans sucre? Moite. Eh bien, allez-moi, je vais aller me faire un petit café frappé. Et quelque chose a changé chez toi, là. Tu n'es plus même qu'avant, ta façon de parler, ton assurance. C'est vrai? Peut-être. Mais merde! Qu'est-ce que tu nous prends juré comme ça, lui, là? Oh, il est comme ça depuis ce matin. Hein. Un petit cigare, Merlin. Oh non, merci. Oui? Madame Verdier est arrivée. Faites-la entrer. Oh, bah tu m'excuseras, mais mon café, ça va pas te passer. Oh, et je m'amuse, moi, mais qu'est-ce que je m'amuse. Merci quand même pour le café. Y'a pas de quoi. Mets-moi soluble. On s'en fout de ton café, Pierre. Alors, tu l'as fait signer ou je t'offre un cercueil en acajou pour ton pot de départ? L'ascenseur est en panne. Madame Verdier. Oh, je suis un peu en retard. Ah, mais pas du tout. Alors vous arrivez très bien. Asseyez-vous, je vous en prie. Allez. J'espère que vous avez de bonnes nouvelles. Excellente, même. Mais qu'est-ce qu'il fabrique maintenant, lui? Ah, il se passe quelque chose de bizarre, là. Mais non. Ah, si, ça hurle, là. Mais non, c'est rien du tout, ça. On est en train d'égorger quelqu'un.
Et il a essayé de m'étrangler. Et qui? Mon pantalon, il a voulu m'étrangler. Bon, mais écoutez, je repasserai. Ah, mais pas du tout, madame Verdier. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Allez, prenez place, là. Pierre va vous expliquer. Il n'y a plus de testament, il n'y a plus rien. Et alors lui, je sais pas ce qu'il lui prend, là. Mais alors, je lui ai arrêté son compte, et tout de suite. Allez, dégage. Allez, dégage. Allez. Et regarde-moi. Regarde. Tout va bien. Bon, on va pouvoir discuter tranquillement, tous les trois. Vous voulez dire tous les deux? Si vous voulez. Bon alors, on en est où là? Il n'y a plus de testament? C'est beaucoup plus compliqué que ça, mais pour le moment, non. Je vous suis pas là. T'en fais pas ma cocotte, tu la comprends. Je vais vous expliquer. Tu m'as pris pour un imbécile pendant trop longtemps. Madame Verdier, je vous ai écouté dans mon bureau pendant des heures et des heures vous plaindre de votre mari, m'expliquer que c'était un emmerdeur de première, et sur ce point-là, je suis d'accord avec vous. Ben, ça commence bien. Je confirme. Pour autant, je ne pense pas qu'il ait mauvais fond. J'ai appris à le connaître. Je crois que c'est quelqu'un de sensible, de droit, quelqu'un de drôle. Parfois. C'est mieux ça, bravo. Quelqu'un de bien. Tu entends quelqu'un de bien? Vous voulez en venir où? Je pense qu'il n'est pas normal que vous ayez cet appartement à Neuilly. Je ne comprends pas du tout où vous voulez en venir. Rien, zéro. Vous avez déjà les bijoux que votre mari vous a offerts. Quatre babioles avec deux émeraudes qui se courent après, je ne peux pas aller loin. Quatre babioles? De toute façon, ce n'est pas le sujet. Hein. Encore une fois, là, on parle de petites économies. Eh bien, j'aimerais bien voir ta tête quand tu te rendras compte qu'elles ne sont plus dans le coffre, mais petites économies. Quoi qu'il en soit, je pense que ce sera suffisant. Plaisantez, j'espère. Ça comblera largement vos besoins jusqu'au prochain mariage. Je n'aime pas du tout la façon dont vous me parlez. Et croyez bien que j'y mets les formes, parce que j'en connais une autre qui vous le dirait autrement. Salope! Je ne veux pas rester ici plus longtemps. Je ne vous raccompagne pas. Surtout pas! Dehors! Ça fera bien. Pourquoi Madame Verdier part en traitant d'enfoiré? Je pense qu'elle n'est pas allée au bout de sa pensée. Je ne vais pas me mettre en colère tellement je suis énervé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu l'as fait signer au moins? Non. Si elle ne signe pas, je suis mono et alors toi avec. Alors tu m'annonces ce que tu veux, mais tu me la rattrapes. Non. Tu veux aller à Londres, oui ou non? Londres? Trop froid, trop de pluie. Guerre. C'est un ordre, sinon je te vire. Mais c'est trop tard, je viens de démissionner. Moi, je te dis. Non, mais il a rien compris, il a démissionné. Et pour en revenir à ton histoire de pigeon tout à l'heure. Oui, quoi? Eh bien, pour répondre à ta question, je crois bien que c'est toi. Quoi? Comment ça? C'est 400 000 euros que tu attendais de Bourdeau, non? T'allais te faire avoir. Moi, c'est 4 millions que j'ai eu de Bormann. Oh, Pierre! Manque d'ambition. Oh oui, 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 Pierre. T'auras rien. Tu peux refermer la mallette, s'il te plaît? Ben oui, bien sûr, tu as raison. Et tu sais, il faut qu'on discute tous les deux. Parce que moi, je voulais te mettre dans la combine, figure-toi. Hein. J'en connais un qui va se prendre des baffes. Tu sais que tout ça, c'est à cause de Frédéric, parce que moi, au départ, je n'étais pas d'accord. Hein. Dégage de mon bureau! Tu as raison. D'abord, je m'occupe d'elle, et après ça, on se prendra un petit moment tous les deux pour parler de tout ça. Hein. La porte! Ah oui, bien sûr. Mais tu as raison. Tu sais que tu es beau. Ben alors, même pas une petite baffe. Non mais j'en ai connu des hypocrites, des menteurs, des lâches, des opportunistes. Mais des hypocrites, lâches, menteurs et opportunistes, lui c'est le champion. Oh, Émilie! Ah ben, vous tombez bien aussi, vous. Oui, je crois que je vous ai raconté des bêtises la semaine dernière. Oui, oui, ça vient de me revenir. Je ne crois pas que Frédéric était avec moi, en fait. Non, il devait être avec une de ses petites puputes. Une de ses petites puputes. Oui, oui, vous avez bien entendu, oui. Petite pupute. Hier? Non, non plus, non. Non, ah, il éteignait un incendie de pupute au Plaza, je crois. Mais vous allez pouvoir en parler avec lui. Il va arriver très bientôt. Si
S'il retrouve son pantalon. S'il retrouve son pantalon. Bonne soirée, Emily. Bon, allez, hop, vous allez me faire un nouveau testament. Ça fait 6 ans que je travaille dans ce bureau. Eh ben, je suis pas mécontent de partir, vous pouvez me voir. Oh. Non, mais avez-vous rien, mais jamais ça. Oui, mais... Levez-vous. Eh ben, prenez ma main. Je peux, au point où on en est. Accepter, il faut l'accepter. On est le 21. Attendez. Hier, on était le 22. Alors aujourd'hui, oui, on est le 21. Ah oui, puis alors souple le poignet, parce que moi j'écris penché. En fait. Je sous-signe. Ah, ma fille. Adoptive Myriam, le château de Brézé à Cannes. Vous avez la peau douce. Allez. Lègue à la Fondation de France. Allez, on se dépêche. L'immeuble situé 46 rue Saint-Honoré. Et l'appartement de Neuilly, signé Michel. Verdi. Voilà, le mal est réparé. Allez, hop, dossier en haut. Qu'est-ce que vous avez? Je crois que cette fois-ci, c'est l'heure. Vous allez être tranquille pour les prochaines audiences. Vous n'êtes pas sérieux? Si, si. Par contre, n'oubliez pas de remettre le testament à ma fille. Oui, mais ne vous inquiétez pas. Mais pour votre argent, qu'est-ce que j'en fais? Vous en servirez pour monter votre propre cabinet. Ah non, je peux pas l'accepter, ça. Mais si. En contrepartie, à vous de protéger les intérêts de ma fille. Je vous fais confiance. Par contre, ne faites pas payer les honoraires. Non, vous pouvez compter sur moi. Non, mais vous savez, c'est beaucoup trop. J'ai pas besoin de tout ça, moi. Peut-être que la future Madame Maillard aura envie d'un appartement plus grand. C'est vraiment une idée fixe chez vous. Faites-moi confiance. Vous êtes quelqu'un de bien. J'ai vraiment été très heureux de vous connaître. Moi aussi. Et puis, arrêtez de compter vos stylos. Et puis surtout, plus de... Non, plus de... Attendez. Eh ben, vous voyez, ça ne marche plus. C'est comme votre cochon, regardez, je l'ai déplacé. Vous m'avez guéri? Vous êtes guéri tout seul. Au revoir, Pierre. Je pensais pas devoir vous le dire, mais vous allez me manquer. Rester ici, c'est moi qui ai gagné. Je sais que c'est un peu par hasard si tu as atterri ici et que tu n'avais pas forcément envie de tomber sur moi, mais ça m'a fait plaisir de te voir. Vraiment. Et si jamais tu ne te plais pas et si tu veux toujours passer te voir, et pas en tant que secrétaire seulement, tu pourrais
essayer de passer ton barreau, je te laisserai du temps. C'est ce qu'on appelle un changement radical depuis ce matin. Oh, tu sais, il s'en est passé des choses depuis ce matin. Je voulais aller dîner à la Gioconda ce soir. Si ça te dit. Dans 2 minutes en bas? Dans 1 minute en bas. 30 secondes. Pierre.